Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Bah là je trouve sur Far Cry 6 pour un nouveau gameplay. Donc là je vais faire l'épisode 59. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout activez la cloche. Allez c'est parti, let's go. C'est pas trop tôt, j'ai besoin que tu fasses quelques livraisons. Tu largues du Viviro, moi j'empoche les profits. C'est pour qui? Je t'ai testé, j'en ai pris pour la science, maintenant je suis fan. Sauf que je pisse violette, t'en veux? Non. Qui paie pour le Viviro, Juan? Avant de buter Castillo, on devrait demander d'autres parfums. C'est les Yankees. Pire, la CIA. Putain, la CIA trafique avec Libertad? Et qu'est-ce qu'en dit Clara? Ah, si elle le savait, j'espère qu'elle dirait « Merci, Juan. Quelle joie d'avoir des flingues pour tuer des fascistes comme Castillo. » Etc, etc. La liberté a un coût. Clara ne demande rien. Et je garde le silence. C'est un club privé. Juste toi, moi, et des phares remplis des bonbons d'Anton. Clara doit préserver son aura étincelante. Et tu la protèges? Je suis pas sûr d'être la seule personne qui protège Clara. Et n'oublie pas, après la Révolution, elle n'aura plus de temps à consacrer aux guerrilleros. Juste au cas où. Bienvenue au club, camarade. Bah allez c'est parti. Donc ça a 2600 mètres. Donc il y a plusieurs points. Donc ça c'est cool. Faut voir si je peux me téléporter à certains endroits. Je peux me téléporter, ça ira beaucoup plus vite. Il y a juste là où ça sera un peu plus loin. Bah allez, je vais me téléporter juste ici. Allez c'est parti. Ok bah allez on y va. Là on va appeler notre véhicule tranquillement. Allez on y va, c'est à 800 mètres. Oh on est chaud. Ah c'est bon, on va s'arrêter ici. On va y aller à pied tranquillement. Donc livrer les colis. Ok. Voilà, déjà, un colis de livrée. Donc on récupère tout ce qu'il y a, voilà. On va aller au deuxième. Donc le deuxième, il est à 1000 mètres. Je passe partout avec ce véhicule. Oh non! Ah, dommage. Eh, c'est parti, on a un cheval. Donc ça, c'est cool. On va aller beaucoup plus vite. Ah, peut-être par là. Ah si. Non. Tu peux pas passer là? Ah ouais. Ah, je pensais pas que c'était aussi profond. Voilà, c'est là. Bienvenue. Réveille-toi. Réveille-toi. J'espérais Clara. Mais je t'ai eu toi. Tu pensais que je ne verrais pas que Libertad vendait mon Viviro aux Yankees? T'es un homme mort. Quand les guerrilleros ont arrêté ma famille en 67, mon père a été traîné dans cette cellule. J'étais dans celle d'à côté. À 13 ans. Comme toi, mon fils. Tous les soirs, sans exception, nous discutions via ce conduit. J'aimais ça. Sa voix m'a appris à être fort, à être un homme. Et puis, les guerrieros sont arrivés. Chaque jour, une nouvelle charge. Vol. Petit à petit, bout par bout, ils payaient les guerrieros. Mais nous discutions encore. Chaque soir, sans exception. Jusqu'à ce qu'ils lui tranchent la langue. Pour mensonge à Yara. Stop! Enfin, c'est bon, arrête! Qui est donc cette personne pour toi? Hein? Nous allons sauter quelques étapes, Raoul. Viva Libertad! Cette attaque... à l'hôtel Paraiso. Danny y était. Oh, tu m'as dit d'être caché dans le tunnel. Danny aurait pu me tuer ou me livrer à Libertad. Épargne-moi tes mensonges. Je ne fuis plus. J'ai écouté. J'ai appris. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je serai El Presidente.
Alors détache, Danny. Je ne suis pas un monstre, Diego. Nous allons lui laisser une chance. Putain, faut que je me tire d'ici et vite. Donc là, je vais taper là, voilà. Non, là, on peut pas, ok. Donc là, on va monter là. Allez, monte. Voilà, c'est par ici. Donc là, on doit passer par là. Là, c'est par là. Ah, c'est bon. Ah, c'est par là. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, on y est presque. Mais c'est par où? Ah, voilà. Allez, on va dans l'eau. Voilà, nickel. Ah, wow, c'était chaud. Opération terminée. Bah, allez, c'est parti. Je pense qu'on va se téléporter. Allez, je fais un déplacement rapide. Donc, c'est juste à 600 mètres. Ah, c'est bon, je suis à l'orphelinat. Allez, c'est bon, on y va. Qu'est-ce que tu fais? C'est à mon père. Je l'ai emprunté. C'est ça, oui. C'est terminé, Dahlia. Plus de réunions secrètes. Plus de manifestations. Je veux plus d'amis qui disparaissent. Il est trop fort. Donc tu vas débarquer juste comme ça au Capitole et braquer le flingue de papa sur Castillo? Non. Je vais former une armée. Et après, fais-moi confiance, j'enverrai Castillo 6 pieds sous terre. Viens avec moi. Quoi, tu m'en crois pas capable? J'ai tout prévu, Dahlia. Je l'ai rêvé. Ma mère me disait toujours, laisse les rêves aux riches Yaran à la peau blanche. Nous, on n'a pas le droit de rêver. On survit. Tu libéreras pas Yara en tuant Castillo, ma grande. Tu dois convaincre Yara qu'elle veut être libre. Pour nous tous. Clara? Clara? Tu peux me dire pourquoi tu m'as traîné jusqu'à mon orphelinat? Parce qu'il est en train de perdre. On marchera bientôt sur la capitale. Et là, Castillo veut me voir. Tu rigoles, là? Non, je rigole pas. Je veux juste avoir ton avis. Castillo a toujours une longueur d'avance. La seule chose qui l'arrêtera, c'est une balle entre les deux yeux. Et après, on tue son fils aussi? T'as eu ta chance. Pourquoi tu l'as pas fait, hein? Selon les infos de Juan, il y avait un Castillo dans cet hôtel. Mais c'était pas le bon. T'as épargné son fils et en échange, Castillo a annulé ta condamnation. Mais tu sais, Danny, t'as bien fait. Parce que si on veut qu'Yara ait un avenir, ses partisans, les nôtres, on doit tous vivre ensemble. Le but n'a jamais été de tuer Castillo, mais de libérer Yara. Pour nous tous. T'avais déjà pris ta décision, pas vrai? Yara a besoin d'un chef, Clara. Pas d'un martyr. Viva Libertad, Danny. Donc je pense que je vais vous laisser ici les amis. Merci à tous qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis.